Séance 23. Elle concerne la pose des treillis soudés dans un voile banché. L'objectif sera d'être en mesure de placer des treillis soudés dans un voile banché. Mon intention, dans un premier temps, est que vous puissiez définir le sens de pose d'une plaque de treillis soudée à mailles carrées, nommée STC, et rectangulaire, nommée ST. Dans un deuxième temps, est que vous soyez capable de définir le placement du fil porteur d'un treillis soudé. Attention, avant de suivre cette séance, il est impératif de voir et comprendre la séance 22. Règle générale pour poser des treillis soudés à mailles rectangulaires. On les nomme ST. Nous allons également voir comment reconnaître et placer correctement les fils porteurs et les fils répartiteurs. Regardons les explications en vidéo. Les treillis soudés donc carrés, et ensuite on a les treillis soudés, mais il n'y a pas de spécificité, d'accord? Donc c'est juste marqué ST20, ST25, ST35, ouais, il n'y a pas le C. Hein, donc ça on l'a vu dans la séance déjà 22. Hein. Donc si vous avez oublié, n'hésitez pas à aller revoir la séance, hein, pour pouvoir bien comprendre celle-ci. Donc là, la particularité, c'est que les ST, par rapport aux mailles carrées, on a une maille donc rectangulaire. La première chose qu'il faut penser, enfin, qu'il faut éviter, c'est que tout de suite, on ne peut pas la mettre, la plaque, dans le sens là. On voit que le rectangle, il est à l'horizontale, c'est pas bon. D'accord? À moins si le plan le définit comme ça. Mais c'est très 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 rare. Donc automatiquement, un ST, un maille rectangulaire, je vais le mettre de cette façon. Donc le rectangle, il est vertical. Maintenant, je dois définir le fil porteur. Donc le fil porteur, alors ici on voit que j'ai un plus gros acier et j'ai un acier qui est plus fin. Donc on aurait tendance à dire que le plus gros, il est le porteur. Eh ben non, parce que ici, on voit l'espace ici, il est plus important ici. Donc les fils porteurs, donc ça va être les plus fins. Comme dans les mailles carrées, le fil porteur, donc il va toujours être vertical. Et encore une fois, le fil vertical doit être vers la peau. Je mets un deuxième lit de treillis soudés. Donc là, si je positionne de cette façon, ce n'est pas bon parce que donc mon fil porteur, il est à l'intérieur. Donc c'est pas bon. Il va falloir Donc il faut vraiment faire attention quand vous coupez le treillis soudé de ne pas vous faire avoir quand vous positionnez le. On va couper de bien penser comment je vais poser le treillis soudé. Donc on voit bien si mon fil porteur il est à l'extérieur, mon fil porteur à l'extérieur. Si besoin, voici le récapitulatif de la vidéo en détail. Premièrement, vous devez savoir repérer les fils porteurs et les fils répartiteurs. Le principe sera identique pour tous les ST, treillis à mailles rectangulaires. Nous avons les fils verticaux ici. On s'aperçoit que les espaces entre les fils bleus
sont serrées. Par contre, les espaces entre les fils ici représentés en rouge sont éloignés. Lequel est le fil porteur? Les fils porteurs sont les fils représentés en bleu. Gardez cela en mémoire, les espaces sont moins importants, donc plus de résistance. Les fils répartiteurs sont représentés en rouge. Les espaces sont plus larges, donc il y a moins de résistance. Ensuite, vous devez réfléchir comment placer correctement les fils porteurs. Nous avons en représentation un voile béton. Car il faut également comprendre l'importance du placement du fil porteur d'un ST. Il joue un rôle essentiel sur la compression d'un voile béton. Maintenant que vous savez reconnaître le fil porteur et le fil répartiteur, il vous reste à savoir comment poser un treillis à mailles rectangulaires. Nous allons prendre un exemple, un ST20. On va dire qu'il y a trois façons de poser un treillis à mailles rectangulaires, mais une seule sera la bonne. Solution A. Je pose la plaque de cette façon. On s'aperçoit que le rectangle ou la maille est à l'horizontale. Le fil porteur représenté en bleu est horizontal. Le fil répartiteur représenté en rouge est vertical. Solution B. Je retourne la plaque. Maintenant, on s'aperçoit que le rectangle ou la maille est vertical. Le fil porteur bleu est donc vertical, avec une particularité. Il se trouve derrière le fil rouge. Solution C. Je retourne la plaque sur elle-même. Nous avons toujours le rectangle ou la maille qui est verticale. Le fil porteur bleu est toujours vertical, avec une autre particularité. Le fil bleu se trouve devant le fil rouge. À votre avis, quelle est la bonne solution? Vous avez fait votre choix? Voici la réponse. La solution A n'est pas la bonne. Le fil porteur représenté en bleu est horizontal. Il doit être vertical. On doit donc déjà retourner le treillis. Solution B. C'est la bonne solution. Nous allons voir par la suite pourquoi. Solution C n'est pas la bonne. Le fil porteur représenté en bleu est du mauvais côté. Pourquoi B? Premièrement, déjà la maille est dans le sens vertical.
Ensuite, le fil porteur est bien vertical. Il est représenté en bleu. Il est face à la peau de branche et derrière le fil répartiteur rouge. Pour mieux visualiser, voici une représentation en vue de côté des fils porteurs et répartiteurs. Nous avons notre jeu de manches. Bien sûr, à l'intérieur, on coule du béton. En contact avec le béton, nous avons la peau de manche. Les fils porteurs doivent être face à la peau de manche. Ils doivent être verticaux. Ensuite, nous avons les fils répartiteurs. Ils doivent être horizontaux. Ils doivent être à l'intérieur. Règle générale de pose des treillis soudés à mailles carrées. On les nomme STC. Malgré tout, au moment de poser un STC, on aura des fils porteurs et des fils répartiteurs. Comment les repérer? Regardons les explications en vidéo. Donc là aujourd'hui, donc dans cette séance, on va voir comment poser un treillis soudé. Un treillis soudé, mais par contre, on voit que la maille ici elle est carrée. Donc je vous rappelle que dans la séance 22, tout ce qui se termine ST15C, à chaque fois qu'il y a le C, donc ça veut dire que c'est une maille carrée. Donc comment je pose ce treillis soudé? Donc déjà la première chose, ce que je vais dire, c'est que il y a un fil porteur. Le fil porteur, on va dire que c'est le fil qui est vertical. Ok? Il est vertical et il doit se trouver derrière, c'est-à-dire au plus près de la peau de la branche. D'accord? Si je le mets de ce sens-là, okay, donc on s'aperçoit que le fil, il est à l'intérieur. Donc c'est pas bon. Par contre, maintenant, je peux aussi. Alors la particularité, c'est que dans le carré, dans celui-ci, admettons, il n'y a pas de fil porteur. Les fils sont identiques, c'est carré, donc il n'y a pas de problème. Donc je peux éventuellement retourner la plaque en fonction de ce que j'ai besoin pour couper ou pas couper. Et je peux le retourner, mais je vais toujours faire attention que mon fil porteur vertical se trouve vers la peau. Donc ça, c'est la particularité. Ensuite, si je devrais venir mettre une deuxième plaque de treillis soudé. Voilà. Donc, le principe, il est le même. Si je devrais avoir donc deux lits de treillis soudé ou deux nappes, ici, le fil porteur sera toujours vertical et va être à l'extérieur. Alors quand on regarde bien, ce qu'il faut retenir, les fils verticaux, d'accord, se trouvent extérieur. Si besoin, voici le récapitulatif de la vidéo en détail. Comment repérer les fils porteurs et les fils répartiteurs des STC? Nous avons les fils
horizontaux, ici représentés en rouge, et les fils verticaux représentés en bleu. Les espaces entre les fils bleus et rouges sont identiques, en effet, du fait que c'est carré. Lequel des deux sera le fil porteur? Sur les STC, tous les fils sont soit porteurs ou répartiteurs avant de poser la plaque. Je peux poser le treillis STC verticalement. Par contre, je dois veiller pour que les fils verticaux bleus soient du côté peau de manche. Je peux poser la plaque de treillis horizontalement. Je dois veiller pour que les fils verticaux ici représentés en rouge soient du côté de la manche. Pour éventuellement mieux comprendre, voici une représentation en vue de côté des fils porteurs et répartiteurs pour les STC. Je vous rappelle, attention, même si le sens de pose n'a pas d'importance pour le STC, je dois quand même suivre cette règle. Les fils porteurs doivent être face à la peau des manches. Ils doivent être verticaux. Les fils répartiteurs doivent être horizontaux. Ils doivent être à l'intérieur. Fin de la séance 23. Demandez de passer votre évaluation au formateur. Prochaine séance 24. Recouvrement des treillis soudés dans un voile branché.